Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Ice Angel Coloriage. Aujourd'hui, je fais ma pack, ma vidéo de pack, puis le colorier pour le mois de juin 2023. Je suis un petit peu en retard sur toutes mes vidéos. J'étais en vacances, je suis de retour. Là, je joue au rattrapage. Fait que ça s'en vient, puis il va y avoir un color and chat pour parler de vacances. Donc, sans plus, on va tasser ça, puis je vais te montrer ma pack. Là, j'ai toujours le Grains of Gold que j'aimerais finir ce colo-là, ce mois-ci. Je sais que je l'ai dit plusieurs fois. Ça n'a pas arrivé, mais je vais essayer. Je suis en train d'avancer ce livre-là. On a avancé notre trip, moi puis un de mes abonnés, puis on se fait bien du fun. Là, en plus, si j'ai bien compris, on a ouvert les matériels, on peut prendre pour le fond, mais on a décidé, on reste avec les Brut Funner. Macarons et les polychromoses pour tout ce qui est coloriage. On a droit du stylo gel. Et si je m'abuse pas, je pense qu'on a droit des crayons acryliques en peinture. Fait que ça, faut que je revérifie parce que j'aime contourner certaines affaires. Fait que ça, c'est le Grains of Gold de Hannah Carlson. Ensuite, j'ai Mythographic Color and Discover Aviary. Ah oui, tant j'y pense, tu vas voir, j'ai mis des petites tables de même temporairement ce mois-ci parce que j'ai une machine à laminer qui arrive, puis je veux laminer mes marque-pages, c'est pour ça qu'ils ne sont pas dans mes livres. Ça. Mythographic Color and Discover Aviary de Joseph Katzenbach. Et j'aimerais faire celui-là. Je ne sais pas, il m'a parlé cette image-là des cerises avec l'eau. Puis... Fait que ça, c'est le colo que j'aimerais faire dedans. Oublie pas, mon pack, c'est pour m'aider à choisir mes colos. C'est pas nécessairement tout ce que je vais colorier. Puis, ça dit pas que je vais toute la faire non plus. Fait que ça, c'est le marque-page que j'étais supposé de faire mois passé en duo avec mon ami Isa Arts 41. Mais j'ai pas eu le temps dû au voyage, puis changement d'emplacement des items sur mon bureau, etc. Fait que je commence celui-là en fin de semaine ou au début de semaine prochaine. Ensuite... Je veux colorier celui-là pour mon ami. Je sais pas, je vais le faire ça aussi. C'est au moins ça, si possible. Ça, c'est pour mon ami Zazu avec le Z. Puis, je pense que ça, c'est le nom du oiseau. Et j'ai eu mes marque-pages dit en défaut. Et ça, c'est qu'est-ce que moi, puis Isaart 41 a choisi pour notre marque-page de mois de juin. Fait que ça, c'est les marque-pages que j'aimerais faire ce mois-ci. J'adore faire les marque-pages. J'en cherche plein encore. Mais ça, ça va venir avec le temps. J'ai le Dunkelbunt de Sarah Richter. Je regrette de ne pas avoir commandé son autre livre sur Book Depository avant que ça ferme, mais regarde, c'est ça qui est ça. Plus tard, je le ramasserai à l'autre. J'aimerais faire cette page-là en aquarelle et crayon. Puis, je vais filmer qu'est-ce que je fais, je pense. J'aimerais beaucoup faire ça ce mois-ci. Je pense même, j'ai planifié une journée cette semaine pour le commencer. Fait que, si tout va bien, ça va être un colorillon ensemble, mais je prends Marie. Fait que, tu sais, c'est un bon papier. Ça devrait prendre bien de l'eau. J'ai déjà fait du aquarelle dans le passé là-dessus. Ça, ici, le fond, c'est aquarelle. Ça a quand même bien pris le papier, l'eau. Fait que, puis, ça me fait avancer parce que j'ai que deux colos faits dans ce livre-là. Fait que, celle-là, mois prochain. Voilà, Dunkelbunt de Sarah Richter. Mon pack n'est pas aussi gros que d'habitude parce que je suis en train de refaire tout mon nuancier. Et neuf, encore une fois. Fait que j'aimerais colorier chaque fois que je prends une gamme de crayon, si possible. J'aimerais faire mon nuancier. Fait que, on va voir. Là, j'ai mis le livre Wildflower Folk, Coloring Book de Christine Caron. C'est celui qui a le bon paquet. C'est comme le Jasmine Beckett Griffith. J'aimerais faire le fil rouge que Zazu en couleur est en train de faire. Mais j'aimerais entamer mon livre. Puis je sais qu'elle a déjà fait ce colo ici. Fait que je pense que je vais essayer de faire celle-là. Mais ce livre-là m'intimide. Pourtant, j'ai fait des Christine Caron, mais on dirait parce qu'elle est sur du bel papier. Je sais pas, on dirait que ça me fait... Ça me fait hésiter. Il y a celui-là ou il y a un autre qu'elle a fait. Je ne suis juste pas sûre c'est lequel. Je sais qu'elle en a fait deux. C'est un autre. Ça va être une des deux qu'elle a fait, mais je pense bien que ça va être la petite fille parce que l'autre, il me semble qu'il va à la fin.
Elle me fait peur. Elle est trop belle, puis je veux pas la rater. C'est ça le problème quand on a des beaux livres, hein? On a peur de gaffer. Faut que là, on hésite à faire des colos. Faut que j'essaie de conquérir ça. Elle a fait celle-là. Ouais, je pense que je vais faire lui. Ouais, lui m'attend plus que la petite fille. Fait que ça va être lui que je vais faire. Sunkiss de Christine Caron. Ou à essayer, en tout cas. On verra rendu là. Wild Folk de Christine Caron. Puis pour le fil rouge de Zazu en couleur, elle va faire à tous les 2 mois un Christine Caron. Mais tu sais, si t'as pas ce livre-là, il y en a certaines images qu'on se trouve dans les autres livres d'elle parce que c'est un best-of. Il y a juste quelques images qui se trouvent pas. Fait que, tu sais, t'es pas obligé de dire que tu peux pas faire sans fil rouge parce que t'as pas ce livre-là. Tu utilises peut-être les colos pour suivre Paris. Je pense elle l'a dit, mais tu sais, je le répète. Je fais le fil rouge des oiseaux en couleur dans les 4 Seasons. Ça, c'est le 4 Seasons sans coloriage hors thérapie, illustré par Véronique Hermuet. En tout cas, excuse-moi pour le nom, là. Puis, je vais te dire, ça, c'est un coup de cœur, ce livre-là, total. Si elle en fait d'autres livres, c'est sûr que je les ajoute. Là, moi, qu'est-ce que je veux faire? Et où là? Ça, je vais le noter parce que je veux rattraper son fil rouge. Je veux faire tout son fil rouge. Je ne sais pas si je vais tout réussir à rattraper, mais ça, c'est pour son fil rouge aussi. Et j'ai le pampin que j'ai pas fini. Fait que ça, c'était qu'est-ce qu'elle a mis? Non officiel. T'avais lui et t'avais le pampin. Ça, il cite. Son vrai fil rouge à Zazu pour le mois de juin, c'est. C'est une belle image, je vais te montrer ça. C'est le Ariel ici. Et magnifique ce cas-là. Fait que d'habitude, je fais les gros espaces avec du aquarelle. Fait que je vais être obligé d'ajuster mon style. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Mais si quelqu'un a pris des crayons aquarelles ou des peintures aquarelles sans gesso dans ce livre-là, tu m'en parleras. Je serais curieux de voir si ça tient de l'eau ou pas. Moi, je ne mets pas beaucoup d'eau. Ensuite, le bonus pour le mois de juin, c'est Minnie avec son jardin. Puis elle est juste comme trop beau, là. Fait que je vais m'amuser pas mal dans ce livre-là. Et oui, je vais finir mon papa aussi, qui était pour son fil rouge non officiel. Fait que je vais mettre une petite tampon. Pas une tampon, mais une petite post-it. Oups. J'ai réalisé, fait que des fois, ils sont empilés d'un autre sens, puis je pogne trop beau. Fait que voilà pour ça. Fait que ça, c'est qu'est-ce que j'ai dans les Seasons. Ça, j'aimerais le finir sur mon site. Fait que ça, c'est qu'est-ce que j'ai dans 4 Seasons de Hachette et Rose. C'est Hachette et Rose? Oui, c'est Hachette et Rose. Ensuite, un encours que on n'a pas encore fait, elle non plus, dans Archie and Sabrina's Halloween Coloring Book. Je le monte à tous les mois parce qu'on va finir par le faire. Ça, c'est avec Josie Colori. On a celui-là à faire. Fait que j'aimerais essayer de le faire sur mon site, mais est-ce que je vais réussir? Ça, je ne sais pas. On verra bien. Voilà. Ensuite, il y a mon fil rouge. Si tu veux savoir c'est quoi mon fil rouge, je t'invite à aller voir toutes mes vidéos du janvier, décembre ou janvier 2023. Il en parle, mais pour le mois de juin, les colos sont dans ma vidéo que je viens de sortir pour les colos terminés mois de mai. Fait que dans Enchanted Faces de Anna Lynn, ça c'est pour mon fil rouge, c'est la sirène qui est là. Et le bonus est celui-là. Puis encore merci à Zazu d'avoir montré ça sur sa chaîne pour moi tant que j'étais parti. Comme ça, mes abonnés peuvent commencer d'avance. Parce que j'étais en retard avec cette vidéo-là sur mon site. Fait que voilà pour le Hannah Lynn. Dans les 100 mandalas, vu que j'ai fini mon autre, je vais continuer à avancer. J'ai déjà une de faite en mois de juin. Fait que je ne sais pas combien que je vais faire, mais tu sais, j'aime ça. Je les fais au hasard. Fait que voilà pour ça. Des 100 Magnificent Mandalas par Special Art.
Et dans le Alien Worlds, j'ai fini mon Alien. Il est tout fini. Fait que tu le verras au mois de juin. Mais je l'ai partagé sur Instagram, là. Il est fini. Il est là. Il va être dans les colos terminés au mois de juin. Et celle-là, j'ai en duo ou trio parce que Zazu aime bien si elle aime faire ça. Si elle est inspirée, des fois. Fait que je dis toujours duo ou trio, mais c'est avec Mano et Zazu en couleur. Puis ça, c'est l'image, c'est moi ici. Puis j'ai des idées. Est-ce que ça va marcher comme mes idées veulent? Ça, je sais pas, mais j'ai des idées. Fait que voilà, pour celle-là. Et en plus, il est derrière lui. Fait que, on va voir. Ça, c'est Alien Worlds de Kirby Rosanas. Mais celle-là, on n'a pas de date. Si je ne finis pas ce mois-ci, ça va être mon prochain. C'est un duo en relax. Dans Yampuff Chibitero, j'aimerais faire un autre. J'adore ce petit livre-là. Merci encore à mon abonné qui me l'a envoyé. J'aimerais faire The Sun. J'ai des idées dans ma tête pour elle aussi. Fait que ça me fait penser à Sailor Moon. je vais assez peut-être faire celui-là. Oups! Mon pile est en train de tomber. Best. Je ne voudrais pas que ça tombe. Hein? Ça serait de valeur. Dans Seasons, tu sais, j'essaie de terminer ce livre-là. Puis j'ai un abonné aussi qui essaie de le terminer, Chloé. Faut qu'elle me suive. Faut qu'à tous les mois, on choisit un colo qu'on veut faire un commun pour avancer ensemble. Fait que dans Seasons d'Anna Carlson, on a choisi celui-là. Les temps. Moi, qu'est-ce que je pense? Je pense que je vais le faire une double page pour que ça fitte. Pas sûr, je pense. On va voir. Mais tu sais, j'ai essayé de faire plusieurs par mois. Ça avance quand même assez bien. Il y a quand même pas mal. Je ne penserais pas de le finir cette année, mais une bonne petite avance quand même dans ce livre-là. Fait que voilà pour le Seasons. Ça, c'est où ce que je suis rendu. De Anna Carlson. Dernier, mais pas le moins. Le Cosmic Spirit. Je veux aussi suivre le fil rouge de mon ami Zazu. En couleur. Et mois passé, elle nous a donné celle-là, non officielle, en fer. Elle a fait un chef-d'œuvre, là. Elle a tout caché, les affaires mécaniques. C'était super belle. Fait qu'elle a fait ça. Fait que j'aimerais la rattraper. Est-ce que je vais réussir à le faire? Ça, je ne sais pas. Elle avait déjà fait ça quand j'ai acheté mon livre. Fait que j'ai décidé de le faire moi aussi pour être capable d'être rendu à la même place qu'elle dans son livre. Ce n'est plus le cas. Et ça, c'est pour le fil rouge de mois de juin. Le poisson, Pisces. Fait que, ça, c'est ma pack. beaucoup de gros colos. Est-ce que je vais réussir? Ça, je ne sais pas. Mais ce n'est pas une question de réussir. C'est une question de me donner une idée où y aller. Parce que des fois, je peux être là 3-4 heures à essayer de choisir quoi colorier. Fait qu'avec ça m'aide à savoir est-ce que je m'en vais pour colorier. Ça ne dit pas que je rajouterai des colos dans mon bibliothèque ou si j'ai des nouveaux livres à colorier dedans, ça je ne sais pas. Mais pour le moment, c'est ça que j'ai planifié. Tant qu'il y avait plus, mais en tout cas, pour le moment, c'est ça. Fait là-dessus, moi je te dis merci d'avoir écouté mon vidéo. Si tu as aimé ça, n'oublie pas ton petit pouce bleu. Et si tu es abonné, merci. Et si tu n'es pas abonné, pensez-y. C'est gratuit. Si tu as aimé, qu'est-ce que tu as vu? Ça montre que tu as aimé ça. Fait qu'avec ça, moi je te dis bye bye à la prochaine vidéo.